enlève tous ces Mitsubishi, on enlève tout ceci. Voilà pour parler maintenant des conditions. On a tout enlevé, nous allons maintenant parler des conditions. Nous avons tout enlevé, nous allons parler des conditions. Voilà, directement on crée une variable int qu'on appelle période, ok, la période qui est égale à 15, ok. On dit directement la condition, c'est sinon, if, si période, ok. Si période égale à 15, on fait ce qui est là. On dit print nombre est 15. Le nombre est 15. Ok. On enregistre. Ici, c'est période. Ok, je suis désolé. Je vais mettre ça comme ça. Ok. Désolé, ici c'est l'égalité de la condition. C'est moi qui suis nul, vraiment. Ok, là c'est l'égalité, ça c'est l'affectation. Ici c'est l'égalité de la comparaison. Vous voyez, voilà, si période égale 15, on affiche ça. Ok, voilà. Et puis directement, nous sommes là. On nous affiche le nombre est 15. Si la période est supérieure ou égale à 15, hein, supérieur ou égal, comme ça se prononce, c'est supérieur ou égal. Et puis quand on affiche là, ça va nous donner encore 15. Sinon, si on dit là-bas 14, quand on clique tout ça, et en fait il n'y a rien, il n'y en a rien ici, parce que on peut pas afficher quelque chose à l'intérieur, la condition n'est pas vérifiée. C'est comme ça qu'on fait avec les conditions. Et puis on dit, si on veut afficher comme ce n'est pas supérieur ou égal à 15, on doit dire que quand même que c'est pas supérieur à 15. On dit else, sinon on dit, voilà, sinon on dit print inférieur à 15, ok. Et puis on affiche ça là-bas. Exécutons. Voilà, c'est ça les conditions. On dit c'est inférieur à 15 parce que il est là. Mais par exemple, si on mettait encore là 30, on dit que c'est supérieur ou égal à 15. Et si on veut ajouter la vérification où c'est égal à 15, qu'est-ce qu'on fait? On fait sinon si la période égale à 15. Et puis on met else. Voilà. La première condition, c'est inférieur à 15. La deuxième condition, il est égal à 15. Égal à 15. Ok. Voilà. Et quand on exécute, on va vérifier trois de ces conditions. Ok. Et c'est très simple à ce niveau-là. Voilà, ça c'est juste une forme classique qu'on vous présente. Quand on met 15 là-bas,
On va vérifier si un bandit égal à 15. Donc ça, c'est une forme classique de x, mais il y a d'autres formes qu'on peut vous montrer par-ci par-là dans les vidéos. Par exemple, si on enlève carrément ceci, on peut enlever carrément tout ça. Ok, et on met print période. Et on prend par exemple supérieur ou égal à 15, et puis on affiche plus de 15, plus de 15. Sinon, on affiche moins de 15. Ok. Et puis, on fait ça. Ça, c'est une autre forme. Quand on exécute, paf. Voilà. On dit plus de 15. Et si je mets la 11, j'enregistre, j'exécute, paf, on me dit moins de 15. Donc c'est très simple. On vous a dit quand on va faire les conditions, c'est à ce moment-là qu'on allait vous montrer directement comment utiliser les booléens, les vrais ou faux, les boules. Ok. Les booléens, par exemple, T qui est égal à trou. Trou. Ok. Voilà. Et puis, on dit si, désolé, if true, if true, si t, on affiche print c print c'est vrai. Ok, else print c'est faux. Ok. J'exécute. Ça va. Ok. Et puis, false. C'est faux. Donc, il vérifie directement si ici c'est vrai ou bien c'est faux. C'est comme ça, vous récupérez juste les T. Si c'est faux, il met là-bas. Si c'est vrai, il est là. Donc, c'est comme ça qu'on peut vérifier les booléens, les true and false, tout ça. C'est très simple quand vous pouvez calculer tout ça. Vous savez quand est-ce que vous pouvez utiliser. C'est dans les conditions. Allez, bientôt.